Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un vlog. Donc comme je vous avais dit, on est parti avec Alan qui est là. On est parti donc du coup en vadrouille parce qu'on en avait besoin. Et vu que je ne travaillais pas aujourd'hui, vu qu'on est lundi, on a décidé d'aller au zoo de Cerza. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Donc je sais que ce genre de vidéo plaît ou ne plaît pas, mais moi j'avais envie de vlogger, de vous partager ça avec vous. Donc c'est parti, là on est arrivé, on va profiter, on va vous montrer tout ça. Allez, on y go!
retrouve, on a fait déjà un parcours, il y en a deux. Là, Alan est parti chercher sa carte bancaire, il est pas loin de midi, donc on va manger parce qu'on a très chaud et on a faim. Et voilà, donc c'est plutôt cool, il n'y a pas trop de monde, donc c'est agréable, on voit pas mal d'animaux, donc c'est vraiment top. Et j'ai hâte de faire l'autre parcours parce qu'il y a les tigres blancs. Donc là, on va aller manger, je vais vous montrer où est-ce qu'on va aller. Finir de manger, j'espère que vous m'entendez bien. Comme vous avez pu le voir, on a mangé hamburger et c'était top parce qu'on avait les animaux donc juste en face. Donc non, c'était très très bon, un petit peu cher, mais franchement voilà, c'est les prix de toute façon. Et là on va attaquer du coup le circuit 2, donc je vais vous montrer en fait un petit peu ce que c'est. J'espère que vous m'entendez. Alors, comme ça ceux et celles qui se posent la question, je vais vous montrer. Donc, voilà comment ça se passe. En fait, vous avez un circuit rouge qui est ici et un jaune donc, qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est celui-là qu'on va entamer tout de suite. Le circuit rouge, à peu près 1h15. Le circuit jaune, 1h30. Après, nous, on n'a pas mis 1h15. Mais voilà, donc on sait que celui-ci, il est beaucoup plus hard parce qu'il y a des montées. Mais c'est tout aussi sympa. Donc, voilà. Et ça, c'est le voyage. Là, c'est le petit train. Donc, on verra si on le prend ou pas. Tout dépendra en fait à quelle heure on revient vers le truc, à quelle heure on a fini en fait. Et voilà, donc non, c'est cool. Et puis là, la petite entrée, il n'y a pas grand monde, donc c'est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est très 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 sympa. Il fait très très chaud par contre, on a bien fait de venir ce matin parce que là, on va mourir je pense sur le deuxième parcours. Heureusement, le masque n'est pas obligatoire à l'intérieur, enfin à l'extérieur. Après nous on le porte en fait quand, bah, comme vous avez vu je l'avais en sortant, là je l'ai baissé. Par contre dès qu'on a du monde en fait, quand on est tout seul on l'enlève, par contre dès qu'il y a du monde on le remet, et tout ce qui est clos doit avoir le masque. Donc voilà, si par exemple il y a pas mal d'enfants et tout, on met le masque tout de suite, mais c'est compliqué franchement à marcher et avoir le masque en même temps. Donc c'est parti, on attaque le deuxième circuit.
parc, il est quelle heure mon gars? Il est 14h20. 14h20, on y est depuis 10h, un peu plus de 10h30, donc on a mangé comme vous avez pu le voir et tout, on a bien profité, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a vu beaucoup d'animaux relativement proches, on avait un petit peu peur après la pause repas, mais finalement pas du tout, on a vu de près les ours polaires, on a vu les ours à lunettes, même s'ils dormaient, ils étaient dans leur hamac au frais, ils étaient trop bien. Vous avez pu le voir de toute façon, hein, mais les ours dans leur en train de jouer dans leur mare, enfin voilà, dans leur petit lac et tout, dans leur bassin. Le tigre blanc juste devant, donc comment vous dire que j'étais la plus heureuse du monde. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été, ils ont vraiment bien réaménagé le parc, même pour marcher, etc. C'est beaucoup mieux qu'avant. Par contre, il y a des montées quand même, hein, donc... voilà le cardio qu'il faut quand même, surtout qu'il fait 27 degrés, donc on meurt littéralement de chaud, on n'en peut plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a à peu près une bonne heure de route, à peine, mais bon, avec un peu de circulation, on a une heure de route. Donc on va rentrer tranquillement et il faut que j'aille chercher des chaussures. Et après, voilà, c'est direction la maison au frais parce qu'il fait très très chaud. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu et on vous dit à très vite. Ciao.